De votre première vie. Alors, putain. Cinématique. Vous avez péri au combat bien avant mon arrivée. Déjà. Attendez, on attend. C'est quelque chose de spécial qui nous a réunis. Il l'appelait le voyageur. Et son arrivée changea votre monde pour toujours. C'était l'âge d'or. Et pendant des siècles, l'humanité s'est épanouie. Jusqu'au jour où tout s'arrêta. Un ennemi ancien avait traversé l'univers à la poursuite du voyageur. L'humanité fut menacée d'extinction. Mais le voyageur fit un choix. Son sacrifice lui permit d'écraser son ennemi de toujours. Et donna vie au spectre. Je suis un spectre. Mais surtout, je suis votre spectre. Et vous faites partie de ceux que le voyageur a choisis. Vous faites partie des gardiens. Et ceci est votre destinée. Nickel, ok, cool. Salut tout le monde, salut, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Faut que je vous raconte pourquoi est-ce que je suis aussi en retard. Alors déjà, Mika, pour ton truc, ton fond vert bug un peu. En fait, si tu veux, c'est un fond vert en tissu. Et malheureusement, il est bien repassé, sauf que j'ai un éclairage tout pérave, en fait. Donc, vu que j'ai un éclairage tout pérave, forcément, tu sais, t'as des zones d'ombre et des zones plus éclairées que d'autres. Et avec l'écran, du coup, si tu veux, ça faisait une zone qui était bien, bien parfaite. Et de l'autre côté, c'était infect, dégueulasse. Son du jeu trop fort. On va baisser, on va baisser. Putain, on peut pas baisser depuis là, c'est une blague? On peut pas te baisser depuis là? Vous voulez que je m'énerve? C'est pas vrai. Bon. On va faire ça après, alors. Là, c'est encore trop fort pour vous, du coup, le son? Attendez, je lance mes petits trucs, du coup. Oh là là, le stream lancé, mais... à l'arrache! Attendez, je monte un petit peu le son de ma voix. Est-ce que là, ça va mieux quand je parle ou pas? Dites-moi si ça va mieux ou pas. Tu pourras intervenir en direct. Salut Bubu, comment tu vas? Donc, voilà, on met ça. Je réactualise vite fait les follow. Les donations. Voilà. Comme ça, c'est nickel. T'inquiète, Kiki est aussi en retard. Ben c'est bien, si tout le monde est en retard, c'est nickel. Comment allez-vous les copains? Est-ce que vous passez une bonne soirée du coup? Qu'est-ce que vous avez fait de beau du coup en ce samedi? Moi j'ai tout juste fini de travailler, que c'était déjà banco. Attendez, qu'est-ce qui se passe? On me dit dans l'oreillette. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais baisser, attendez, on me parle dans l'oreillette. Alors, c'est là ou c'est pas là? Je ne sais plus. Hop, on me parle dans l'oreillette. On me dit qu'il faut que je baisse un petit peu la sortie du Elgato parce que c'est trop fort. Du coup, ça a fait sauter mon écran. J'espère que ça n'a pas fait crash mon OBS. Mon OBS ne répond plus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, ça fonctionne. Nickel. Merci Joker73 pour ton follow. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors. En ce samedi, disons, la fête jusqu'à 6h du matin. La fête jusqu'à 6h du matin? Bah dis donc. Ça ira, te prends pas la tête depuis 21h15, je t'attends, en plus tu es en retard, c'est pas croyable, on t'aime quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, c'est vraiment, voilà, les problèmes techniques, les problèmes tout pérave. Bon, là, ça a été résolu, mais bon, malheureusement, on ne peut pas faire mieux. Là, comme je vous ai dit, c'est vraiment un manque d'éclairage que j'ai, ce qui fait qu'on a des petits soucis un petit peu. Alors, on va mettre un petit tweet pour dire qu'on est en live, et on va lancer tout de suite les copains. On est déjà 50 sur le stream, bah ça fait plaisir. On va mettre un petit tweet et puis c'est bon. Alors. On va mettre le live Destiny. Ah, vous devez entendre le clavier, un truc de ouf. De. Voilà, démarre. On va mettre ça. Voilà. Nickel. Et ben c'est tout bon. Voilà. Attendez, je ferme ça. Voilà. Nickel, merci à tous les nouveaux followers. Merci Fenu. Alors, mais vous avez des noms des fois, mais des noms. Alors, Fen. Ouais, en gros Phoenix, hein, je vais t'appeler Phoenix, on va gagner du temps. Bonsoir Maïva.
Salut ceux qui sont en train de rejoindre. Moi j'ai passé une mauvaise journée, heureusement que tu es en live, ça me redonne le sourire. Bah écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais couper mon téléphone avant de lancer ce petit live. Et on commence bah, tout ça ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, je vais mettre un petit message sur les réseaux. Salut bro, comment tu vas? Et on va commencer ensemble. Hop. Nickel. Voilà, et ben c'est bon les amis, c'est bon banco. Alors, le son est mute. Salut à tous ceux qui sont en train de rejoindre. Mais dis donc, il y a du monde. Il y a du monde ce soir pour Destiny. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Salut les copains. Donc, on va commencer. On va regarder. Voilà, on est dans la sélection de classe. Là, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, titan fier et discipliné. Les titans maîtrisent tout aussi bien des attaques brutales que des techniques de défense inébranlables. Donc, déjà, ok. Ça, c'est pour le titan. Ensuite, pour le chasseur. Du coup, on a agile et audacieux. Les chasseurs ont la gâchette facile et sont extrêmement vifs. D'ailleurs, attendez, je suis en train de regarder. Attendez. J'ai un truc qui s'est pas mis. Vous savez, c'est la petite barre objectif matos, là. Voilà, elle s'est mise, la petite. C'est tout. Normalement, elle s'est mise, attendez. Voilà, tout bon. Donc, chasseur agile et audacieux. Les chasseurs ont la gâchette facile et sont extrêmement vifs. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien les chasseurs. Ça, c'est bien ma... Oh, merci beaucoup, Sanguise2404. Du coup, il doit y avoir le son qui gueule en parallèle avec vous. Attendez, je vais faire... Je vais baisser un petit peu le son de mes baffes. Parce qu'il y en a qui vont faire des bons. Du coup, je te remercie beaucoup, Sanguy2404, pour ta donation. Ça fait vraiment plaisir. Comme je vous l'ai dit, ça m'aide à mettre tout de côté pour pouvoir m'acheter justement des éclairages pour améliorer la qualité du stream. Donc, je te remercie beaucoup. C'est sympa. Donc, chasseurs agiles, audacieux, les chasseurs ont la gâchette facile et sont extrêmement vifs. Et arcanistes, les arcanistes transforment les mystères de l'univers en armes pour se protéger et détruire leurs ennemis. Ça, c'est pas mal. Mais je pense que pour le coup, je vais prendre chasseur. J'ai envie de tester chasseur pour voir. Donc chasseur, ça a l'air bien. Ou d'ailleurs, dites-moi si vous jouez à Destiny, que ça soit PC, je sais pas s'il est encore disponible. Je crois pas pour le moment, je ne sais plus. En tout cas, si vous jouez sur console, bah, dites-moi quelle classe vous jouez justement. Alors, moi je vais prendre chasseur. Alors, donc ces trois classes ressemblent à guerrier, défenseur et mage. Chasseur, chasseur a l'air bien. On va prendre chasseur. Pubu, Tunaka, Riri, qui... Lee et Cal devraient former la team Fun Délire, c'est toujours un régal de les voir. Bah oui, mais ça par la suite, t'inquiète pas qu'on va former un bon petit truc. Hein. Donc du coup, race, donc déjà une femme ou un homme. Moi j'aime bien jouer quand même des personnages mecs, je trouve qu'ils sont plus stylés. Ah alors attendez, humain, éveillé ou exo. Oh ceux-là je les aime bien. Je les trouve cool. Donc on va regarder. Donc déjà, vous êtes un humain robuste et polyvalent. Vos ancêtres ont prospéré sur Terre et au-delà, bâtissant une ère de miracles. Éveillé, vous êtes un éveillé marqué par le cosmos. Vos ancêtres ont trouvé refuge aux confins de l'espace et cela les a changés à jamais. Ensuite, vous êtes un exo, une machine de guerre douée d'une conscience. Vous avez été construit pour une guerre oubliée de tous. Oh, c'est stylé quand même. Oh, c'est stylé. Fais voir, mettons si on est une fille. Ça peut être stylé au niveau des visages ou franchement, non, c'est dégueulasse. Parce que moi, j'aime bien... Attendez, on va regarder les visages de mecs. Ah, oh, celui-là, il est stylé. Éveillé, fais voir. Wouah. Sont stylés. Oh la gueule qu'il a celui-là. Bah écoute, on va prendre cela. Donc qu'est-ce qu'ils ont au niveau des visages? Regardons un petit peu. Il y a quand même de très belles modélisations de visages. On va pas se mentir, il y en a de très jolis. Par contre alors, les gueules c'est pas ouf ouf hein. Alors, au niveau de la couleur de peau, vert. Vous êtes un orc. Vous avez décidé d'être dans la tribu des orcs. Je vais lire un petit peu vos messages. Éveillé en fille. Team Lopette. J'ai un petit peu vos messages. C'est dégueu, exo.
comme un la cité, je suis entouré de Lopette, comme Riri, Cal, etc. etc. Merci Bubu. Salut à tous ceux qui sont en train de rejoindre. Écoutez, on va mettre couleur des lèvres. Oh la vache. Non, attendez. On va regarder, on va regarder. Oh, t'as vu les yeux? Oh, les beaux yeux. Cheveux. C'est stylé quand même. Hein. Je suis sûr que Bubu va voir ça, il va se faire hashtag emo. Je suis sûr. Oh, c'est stylé quand même. Yeah. Ah, j'aime beaucoup. Attendez, voilà, on va changer la couleur des lèvres. Ouais, comme ça, ça fait un petit peu plus nude, on va dire. Parce qu'attendez, faites voir les autres couleurs. Ah, j'aurais peut-être dû créer effectivement le personnage avant. Je me dis finalement, ça aurait peut-être été un bon truc. Hop, voilà. Cheveux, ça on a regardé. Le signe. Ah oui, c'est qu'elle a un gros signe en plein milieu de la gueule. Comme ça, tu gagnes du temps. Alors. Alors, j'hésite entre celui-ci ou celui-ci qui est hyper stylé. Il est beau aussi. On regarde, on regarde. Il a vraiment des pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on met comme couleur, les copains? Qu'est-ce qu'on met comme signe? On va mettre un signe. On va mettre un signe noir. Attendez. Hop. Non, on va mettre celui-là. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Riri, y'a Riri, salut Riri, comment tu vas? Le dernier. Le dernier? C'est vrai qu'il est beau le dernier aussi. Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Celui-là, il est beau. Hein. Vous savez quoi, on va se mettre les points sur la gueule, j'ai envie de vous dire, et puis c'est tout. Hein. On va mettre celui-là. Allez, terminé, nickel. On met ça, on part sur ça ou pas? Est-ce qu'on part sur ça, dites-moi? Je ne sais plus, moi. Je déteste les créations de personnages, c'est le genre de truc où je mets toujours 10 ans à le créer parce que je veux bien qu'il soit hyper beau. Ça, c'est stylé aussi. Dommage qu'on puisse pas faire des mélanges. Ah, je ne sais pas, les amis. Aidez-moi, mais aidez-moi! On met ça ou celui-là avec les points? Aidez-moi, faites quelque chose. Salut à tous ceux qui sont en train de rejoindre. Je ne sais plus. Il y a un faux compte Asta sur toi. Ah bon, Mika? Sérieux? Faudra que tu me... Ok. Je vais aller voir ça. Par la suite. Je ne sais pas. Je l'ai stylé aussi. Allez, on va pas mettre 10 ans, tant pis. Mika mène l'enquête. Mais grave, mais ouais, c'est bizarre. Faudra que je regarde, Mika. Merci pour l'info, n'empêche. Je participe à un de tes streams sur Twitch. Bah, ça fait plaisir. Ah, attention. Je me mute le temps de la cinématique. Ikora, si tu m'avoues maintenant qu'il s'agit d'une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serais impressionné. T'impressionner, Cade? Si tu crois que j'ai que ça à faire. Trêve de plaisanterie. Zavala, je suis tout à fait sérieux. Ça ne se voit pas? Ikora, vous avez quelque chose? Les systèmes de défense ligne d'horizon semblent avoir été sabotés. Les communications sont brouillées depuis le début des festivités. Aucun capteur ne répond de l'autre côté du mur. C'est peut-être dû à l'orage. Ou peut-être... Des infos des satellites? Il n'y a rien. C'est bien, non? Non. Il n'y a vraiment aucune trace. Où sont nos satellites? Ah oui, c'est pas bien.
vos stations! Tout le monde avec moi! Maintenant! Merci beaucoup Nikoko pour ton pour ta donation. Les lumières arriveront-elles bientôt? Bah écoute, ça va arriver prochainement là. C'est vrai que là ça va bientôt arriver. Connexion au serveur de Destiny 2. Bah j'aimerais bien. J'aimerais bien que tu te connectes s'il te plaît comme au serveur de Destiny 2. Ça serait bien qu'on joue au bout d'un moment. Et merci Eglinton pour ton follow. Merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui Mika, alors attends, qu'est-ce que tu me disais? Ah d'accord, sur Insta il y a un compte de toi qui offre gratuitement des iPhone 7 ou 6 Plus, est-ce que c'est toi? Non, ce n'est pas moi. Pas du tout. Donc ne cliquez pas sur cette grosse arnaque. Je répète tour de contrôle. Ici Épervier de la Cité, 723. Il y a quelqu'un? Oh, j'ai une belle tête. Aucune réponse sur aucune fréquence. Même pas celle d'urgence. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? Vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite? Eh ben oubliez ça, foncez! Je vous ai, je vous parle après la cinématique les copains, d'abord on profite un petit peu de la cinématique. Bon, j'ai l'impression que la cinématique est déjà terminée, donc finalement on n'aura pas trop profité. Tu as quoi comme webcam, Kiki? Logitech C920, c'est ma webcam que j'ai actuellement. Kiki, elle offre des Ferrari, Kiki, pas de vulgaire téléphone. Bah oui, moi j'offre des Lamborghini minimum, arrêtez. Non, je déconne. Bon, alors ça fait une éternité que j'ai pas joué à Destiny. Il faut trouver Zavala, Ikora et Cade. J'ai hâte de voir. Des cavales! J'ai l'impression que ça commence déjà, il y a déjà pas mal de monde. Ça n'a pas de sens. Généralement, les cabales conquièrent des systèmes en faisant exploser ces planètes. Ils veulent sûrement quelque chose qui se trouve ici, à la dernière cité. Yeah. Quelle est cette musique? Oh merde! Vous voulez jouer un petit peu? Arrêtez les copains! Eh oh, je descends un petit peu Michel dans un premier temps. Hein. Ici le commandant Zavala. Tous les civils sont sommés de se rendre au point d'évacuation et tous les gardiens sont attendus sur la place. Notre cité ça survivra. Ça tremblote un petit peu. Ok. Je lis un petit peu les messages. Attendez, mon gamer tag. Alors, bah c'est de façon que vous rentrez qui... Non mais vous rentrez qui ira couper, de toute façon vous allez me trouver direct. Ah!
pas mal ça. On voit que dalle par contre. Ok. On va avancer un petit peu tranquillement. Salut vous deux. Une seconde. Zavala joue au héros sur la place. Et moi j'ai un rancard avec celui qui est derrière tout ça. Ça sera vite expédié. Eh ben, je l'aime bien lui, hein, je l'aime bien. J'essaye tout le temps de parler dans mon micro. Est-ce que le son pour vous il est bien ou c'est encore trop fort? J'ai l'impression que c'est un peu trop fort. Merci Hypno du 59163 pour ton follow. Et Sides pour ton follow, ainsi que Nero pour ton follow. Et, oh, mais c'est pas vrai, vous êtes combien? DLARD 8000. Enfin 8000 ou plus, hein. Là c'est combien? C'est 80 000 pour le coup. Alors attendez, par contre j'ai l'impression que le son pour vous est trop fort, donc on va le baisser un peu. On va le baisser un petit peu. On va augmenter un petit peu la lumino parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop foncé pour nous. On va se mettre en 3 et l'audio, voilà, on va juste volume du jeu. On va se mettre à 60, je pense que ça sera bien. On va regarder. Ouais, un peu fort Mika. Là tu me diras si c'est bon ou pas. Vous allez me dire. Mes copains? Ah ouais? Je me disais, ils sont bien sympas les mecs. Oui, bah laissez-moi regarder avant. Puis continuez à avancer. Faut qu'on traverser le hangar jusqu'à la place. Je m'occupe de ces gens. Si les cabales veulent la guerre, ils vont la voir. Oh ouais! Prendre un fusil atomique. Le fusil atomique. On devrait le... vraiment prendre un fusil. Non, mais merde. Et aller sans plus attendre. Parce que X, oui, je suis habitué maintenant à la PlayStation. Nickel. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Là, c'est bon, vous entendez quand je parle, non? Rassurez-moi, attendez, là, on fait une pause. On fait une petite pause, là. Vous m'entendez ou pas, là, quand je parle par rapport. Dites-moi. T'as les vibrations, là, je prends un doliprane à attendre. Dites-moi tout, hein. Est-ce que là vous m'entendez ou pas? Houston, nous avons un problème. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ah, le son du micro. Ouais, mais le problème, Bibi, tu sais, si je monte le son du micro, on entend les bruits ambiants, tu sais, autour. Alors attends, on va monter un petit peu. On va le monter à... Voilà, on l'a monté à 68%. Donc le son est plus fort déjà. Donc là, vous allez mieux entendre. Voilà, nickel. C'est parti, on peut y aller. Alors. Tiens, grenade! Dans ta face. Tête de fion. Alors. Cool. Avance un petit peu. Il est vachement beau. Hein. Il est chouette. Ouais, appuyez sur A pour sauter. Ça marche. Petite porte bien sympa. Il est fort probable que vous entendiez des bruits ambiants autour. Ne paniquez pas, c'est normal, c'est parce que je ne suis pas toute seule chez moi. Donc forcément, on entend un petit peu. On va avancer. Oh là, merde! Attendez! J'ai plus de grenade. Nickel. Waouh. Putain. C'est quoi ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, Kiki est concentré. Putain, j'ai plus de grenades. Il est où l'autre?
Michel. Je t'ai vu tout à l'heure, Michel. Il est fou, Michel. Ah non, mais si je veux appeler ça atomique, j'appelle ça atomique. Laissez-moi tranquille. Si je veux appeler ça licorne, j'appelle ça licorne. Laissez-moi mettre mon petit nom. Ils sont partout. Hein. Donc on m'a dit qu'il y en avait pour 1h30, voire 2h. Mais tu prends vraiment le temps, quoi. Ça doit être leur vaisseau mère. Cette musique est incroyable. Tadam. Pas d'attaquer la cité. Regardez le voyageur. Ouais, les objectifs en cours. Alors, est-ce que j'ai le droit de monter tout là-haut? Yeah. Attends, là, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Oui, Kiki était concentré, effectivement. J'étais bien... Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de lire. Non mais vous inquiétez pas, je réponds au message. Si je réponds. Sauf que du coup, quand je suis occupée, bah voilà. Je suis concentrée. Donc du coup. Par ici. Mon spectre n'arrête pas d'appeler ses cabales la Légion Rouge. Ikora, t'as des infos? Ce sont des combattants d'élite impitoyables. Selon les rumeurs, ils n'ont jamais perdu un combat. Jusqu'à aujourd'hui. Car aujourd'hui, ils affrontent les gardiens. Mais... ils attaquent le voyageur. Le voyageur attendra. Il faut protéger la population coûte que coûte. Je crois que c'est la voix de... Mais si, je sais, c'est la voix de qui dans les gardiens de la galaxie? Oh bah c'est un sacré bordel, hein. La meuf, elle regarde, elle s'assoit là. Elle se pose. Oh bah dis donc, c'est la merde les copains, hein. C'est la merde. Oh putain, non, j'avais pas vu. Loïc, génial ton live, Kiki, continue comme ça. Putain, j'avais pas vu à 2 minutes. Grave, j'avais pas vu. Merci beaucoup Loïc pour ta donation. Attends, je mets start. J'avais même pas vu pour te dire à quel point ma dose de concentration est importante. J'avais pas du tout vu que tu m'avais fait une donation. Je te remercie infiniment. Du coup, tous les dons, je les garde et ça servira justement... pour investir justement dans les lumières pour là pour, en l'occurrence pour le live. Donc je te remercie énormément. Non, elle a pas vu, la vache, elle a pas vu. Mais non, j'avais pas vu, je suis désolée. Excuse-moi Loïc, j'ai pas vu. C'est tellement pour te dire à quel point je suis concentrée. T'as vu, dès que je suis sur un Destiny, dès qu'il y a du tir, faut que je sois concentrée, sinon c'est la merde. Je te remercie infiniment, merci beaucoup. Ça va énormément m'aider, franchement, pour mes lives, ça va vraiment m'aider, je te remercie. D'ailleurs, attends, y a... les donations ne se sont pas actualisées, je n'aime pas ça. Voilà, et merci aussi Loïc du coup pour ton follow, je te remercie infiniment. Là, il y a les donations et les follow qui ne s'actualisent plus, va comprendre. Alors, on va regarder par où je dois passer. Par ici.
par là. Oui, Star-Lord. Attends, parce que du coup, là, il y a un gars. Salut, mec. Comment tu vas? On a une discussion, comment ça se passe? Mais nous sommes meilleurs. Tant que tous les civils n'auront pas été évacués, nous tiendrons cette position. Alors attendez, putain, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a des donations, il pleut des donations, que se passe-t-il? 102404, je te remercie. Attends, ça ne met... tu vas me dire que ça ne met pas en pause le jeu? Putain. Attends, on a un problème, Sanguy, on a un problème. Merci énormément pour ta donation. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je te remercie infiniment. Mais écoute, on a un petit souci. On se fait attaquer. Pour activer votre... Ok. Ok, d'accord. Ah! Ok! Cool! Bien! J'en fous une. Et le deux! Merde. C'est un peu de la merde cette arme, j'aime pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, attendez. Que se passe-t-il? Sanguy, calme-toi! Attends. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des. Attendez. Soit j'ai mon. J'ai mon logiciel qui pète un câble. Attendez les amis, on va regarder ça ensemble. Je suis un peu concentré, je vais pas te mentir, il est vrai que je suis concentré. Tiens, va chier. On reste ici, puis je m'occuperai de ce vaisseau mère. Ça arrive combien de temps pour le télécharger? Mais écoute, pour le télécharger, ça m'a mis... je sais pas, j'ai en version boîte. Donc, de toute façon... Oh là, attends. Je l'ai en version boîte, donc il y avait juste les 5 gigas et quelques de mise à jour. Merde! Oh. En voilà d'autres! Montrez-leur ce que valent les gardiens! Je suis un petit peu concentré, attendez, attendez. Ah, j'aurais voulu en plein vol. Oh, bien dommage. Oh, ça va causer ma perte, ça. Ces bêtises. C'est pas bien, mec. C'est-à-dire que les mecs ils sont combien? Entre nous. Ouais. Eh ben? Non, c'est pas bon. Wouhou!
J'ai mal aux yeux. Midnight, merci beaucoup pour ton follow. Attendez, je ne suis pas bien, je ne vais pas bien. D'ailleurs, dites-moi c'est qu'on Destiny, à qui a Destiny là dans le chat? Dites-le moi. Oh là là, l'autre il te les démonte en 2 secondes. C'est possible, c'est un jeu ça? Pam, pam, pam. Me marque salut, est-ce que c'est un joueur qui m'a rejoint? Un abonné? Je ne sais pas. Non, c'est pas possible. Non, bah non, je suis bête. De toute façon, c'est du solo là. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, voilà. Sangui, c'est bien ce que je pense en fait. Il n'y a eu qu'un seul don en fait, c'est Streamlabs qui a pété un câble. Ce que je t'aurais à me dire, je me disais c'est bizarre, ça ne m'affiche pas les mêmes choses. Oula, peut-être que je retourne. Moi. Plein vol, il l'a chopé. Donc, mais non, devant. Ouais, ranime-moi s'il te plaît, merci. Je tombais devant comme une merde. Ça va durer longtemps là, non? Ouais, pas de spoil, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les copains. Ok, là-bas. Courez! C'est la dèche! Courez! Par là? J'ai l'impression que c'est pas du tout par là. Ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Dans la session, fous-toi bien de ma tronche. Là-bas. Quitter la place et trouver le guide. Je pense que là c'est bon. Hein. Moi je tente de me barrer. On va voir. On se casse, y en a marre. Le mec qui passe le balai au KLM. Oui, bah moi écoutez, bah je suis femme de ménage depuis les années 80 de toute façon. Merde, j'ai lancé une grenade. Mince. Ce n'est pas ça. Tu peux me dire que c'est pas là? Ah si, attends. Ah bon bah si, ça doit être là. Ikora, elle est là. Tu nous as déjà pris beaucoup de trop. Les gens je ne t'accorderai. A plus. Bonne soirée à tous ceux qui y rentrent. Oula. Ça va là. Elle s'occupe du guide. Vous devez vous rendre sur le vaisseau mère. Rendez-vous au nord de la tour. J'envoie Amanda Holliday vous chercher. Ça doit être par là. Oh!
Vous n'avez pas vu Michel? Sur des jeux comme ça. Je suis trop concentré moi. C'est la merde hein les copains. Holiday est en approche. Il faut s'occuper de ce vaisseau. Foiré. Je respire. C'est pas vrai. Ils sont combien ? Attendez. Allez Kiki, on est avec toi. Bah c'est gentil, c'est gentil. Mais c'est un fou celui-là. Vas-y, ramène ta tête. Tu fais le shoot comme ça. Hein. The technique, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je recharge un coup. Il a rechargé son bouclier? Il m'emmerde! C'est la merde. Hein. Putain. Écoutez, je vais tenter d'y aller comme ça. C'est bon. Un pilote? Ouais, s'il te plaît. Wouhou! Prochaine fois, je leur saute sur le dos et je les attaque. Je pense qu'on peut gagner du temps. Merci GG pour ton follow et Weird et Midnight. Pour le follow Midnight, je crois que j'avais dit. J'ai assez de modos pour le moment. Ça va là? J'ai trouvé cette personne dont vous n'arrêtez pas de me parler. Il faut l'emmener vers le vaisseau mère, vite! Tenez bon derrière! Allez, mon grand. Faut se remuer. Ok, derrière. Mettez-leur quelques pompes pour bien placer. Alors ça, pour donner des ordres, y a pas de problème. Ça, pour donner des ordres, y a pas de souci. On attend un petit peu. Bon, pour le moment, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est assez cool.
J'avais commencé le 1, je l'ai d'ailleurs, hein. J'ai toutes les éditions, hein. Mais je ne l'ai jamais, fait, honte à moi, je fais des avec tout ce qu'on a. Désactiver les boucliers. On y va les amis. On va aller désactiver ces boucliers. Oh, merde. Alors là c'est très mal barré. C'est très con là ce que je viens de faire. Je suis tombé comme une merde dans le truc. Voilà dans ça. Je veux dire je vais me faire rec. Ah non c'est bon. Ah vrai. Ils sont déjà là eux. Ah saloperie. Cet hologramme pourrait nous aider. Laissez-moi regarder. Allez-y. Et c'est moi ou le du coup comment il s'appelle? Bah du coup le mec qui parle depuis tout à l'heure, c'est la voix de Utilisons cet écoute, c'est Tyrion ça. Qui question si on fait un don de 1 million d'euros, on peut? Non, on peut quoi? De quoi? What? Trouver le générateur de bouclier de ce vaisseau. Ok. C'est la voix de Tyrion. Et non, c'est la voix de Star-Lord, l'autre c'est la voix de Tyrion, quoi. De Game of Thrones. Bon, le générateur de bouclier devrait se trouver dans la cale inférieure du vaisseau. Ouais, c'est la VF de Game of Thrones, je suis sûr de Tyrion dans Goth. Oh merde! Ah non! La vie. Voilà où est-ce que j'en suis. De mon pistolet sont sur le point de s'éteindre. Un petit peu au message. Pas depuis qu'elle est partie chercher le guide. En formation avec moi. Je sais pas ce que vous racontez dans le chat. Alors. On court les amis, on court. Merci à tous les nouveaux followers déjà. Dis donc, le temps passe vite. C'est bien par là? Ouais. On va regarder. Franchement, ceux qui arrivent non-stop à parler en même temps, chapeau. Merci. Elle capote 69 pour ta donation. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je te remercie infiniment. Merci. Continue, j'adore tes vidéos. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir. Alors si t'aimes bien mes vidéos. Putain, mon chien. Yes, je suis en super.
Enfin, je m'en suis douté, forcément. Forcément qu'il y avait un mec comme ça. Il est où, hein? Oh bah il est là-bas, hein. Il envoie le petit, hein. Enfin, t'as lui qui essaie d'avoir ma peau depuis tout à l'heure. Hein. Malin. Pas du tout lui. Demande d'amis, vous a invité. Va lancer sa attaque de merde. Cachez-vous, attaque. Concentration. Oh merde. Yes. Cette petite arme de merde. Comment se passe ce truc là? Alors attendez. On va mettre start. Le start qui ne sert à rien. Bientôt plus de munitions, c'est bon, j'ai refait de la mune. Maria, merci pour ton follow. Merci pour ton follow et merci à tous les gens du coup qui ont fait des donations. Merci infiniment. Je vous demandais pas autant les copains, mais merci. Merci énormément. Alors je vais lire un petit peu au message. Tu as que 3 balles quand tu actives ton outil, donc fais pas limp avec. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai essayé de défoncer le mec en fait, direct. Tout se passe bien les copains, ça va, vous êtes tous devant... Posé là tranquille avec des petites chips et tout, bubu avec des Doritos. Alors, par contre, de nouveau, ça s'est pas actualisé dans les followers. C'est bizarre ça, ça s'est actualisé jamais. C'est par où?
Voilà. On va recharger un coup. Ça va être tranquille. Grenade à ce connard. Et bim! Oh, j'avais pas vu. Attends, on va changer d'arme. C'est parti. Je ne sais pas si lui part. Peut-être qu'il a lancé un live de son côté, hein, je ne sais pas. Il est où le petit? Enfin le petit. Hey, il est pas tout seul, il y avait un snipe avec lui. Malin. Nickel. Donc, il faut descendre. Je peux descendre direct comme ça. Le générateur de bouclier devrait se trouver droit devant. Ouais, nickel, droit devant Michel. On va recharger parce que je le sens mal. Bon. C'est pas vrai. Concentration. Longtemps que j'ai pas joué la manette, j'ai oublié les copains. Détruisez les turbines et les boucliers devraient faiblir. Ah, je crois que j'avais vu cette histoire, je sais plus ce que c'était. C'est pas une histoire où je vais tirer dans ça. Je me souviens plus du truc. C'était quoi là? Je me souviens plus les gars. C'était ça. Oui, comme ça. La température augmente, ça fonctionne. Ça, je crois que j'avais vu en gameplay ce passage. Une connerie. Ça va là? Nous avons réussi. Les boucliers sont désactivés. Ça va là? Je
par là ou pas? Yes. Se dirige vers le pont supérieur. On est bon, on continue. Amanda? Merci Gribouille et Froqueuse pour vos follow, merci beaucoup. Comment allons-nous nous en sortir? C'est impossible. Bienvenue dans un monde sans lumière. Gardienne, il se passe quelque chose. Ne me regarde pas, misérable créature. T'as l'enfoiré. Vous êtes faible, indiscipliné, retranché derrière ces murs. Des lâches qui ont oublié ce qu'est la peur de mourir. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Les gardiens ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont reçu. Je suis... Je vais mettre un RKO. Et votre lumière... m'appartient. Ça n'en rigole pas. Hein. Maria, est-ce que je peux être modo, s'il te plaît? Bah, j'ai assez de modo pour le moment. C'est très gentil, Maria, d'avoir proposé. Mais il y a, comme Mika le dit là, tu vois, il y a assez de modo pour le moment. Est-ce que pour suivre l'histoire, il faut avoir joué au premier? Bah, écoute, moi, personnellement, j'ai jamais fait le premier. Gribouille, 440. Salut Kylian, je suis nouveau, j'ai vu ton contenu, c'est vraiment pas mal, continue comme ça, je me suis abonné à ta chaîne YouTube et maintenant Twitch. Mais écoute, je te remercie beaucoup Gribouille pour ta donation, ça fait vraiment plaisir de voir un message comme celui-ci. Et merci beaucoup pour ta donation, ça me fait plaisir si dans ce cas-là la chaîne te plaît. J'espère que le Twitch, bah du coup ça va être pareil. Je suis tendance à faire des let's play du coup dessus ou faire des trucs un peu plus drôles. Pas besoin de montage, rien du tout. On se pose et on profite. Merci. C'est magnifique. Ça y est, donc là, du coup, comment ça se passe? C'est le moment où on peut jouer en multi? Ou est-ce qu'on est encore du solo? Ah, attendez. Deux jours après l'attaque. On a peut-être encore du solo. Oh oui. Il va falloir remonter. J'ai des vibrations dans la manette qui sont hyper désagréables. Alors, est-ce qu'il faut remonter ou est-ce que pas du tout? On va voir. Non, il n'y a rien du tout. Je pense que c'est ça, il faut passer là où, par là où les gars sont partis justement.
Donc on va regarder ça ensemble. On va partir par là. Si déjà son début... Ben non, mais au début, je crois pas que je joue en multi de toute façon, parce que t'as une trame en solo à faire avant de rejoindre le multi avec tes potes. Mika, tu sais pas toi, du coup, si là je peux passer en multi, genre avec Bubu ou quoi? Je sais pas si t'as regardé peut-être les lives de Bubu, c'est pour ça que je te demande. On va voir, je vais aller en face. C'est bizarre ce truc. Non, au début, je pense que c'était des bottes. Ça fait bizarre. Hein. Peut-être que le personnage il est vachement affaibli. Faut pas s'étonner aussi. Hein. Il est vachement beau graphiquement par contre. Hein. Il est chouette. Hein. Les lumières et tout, c'est hyper beau. Je crois, mais je suis pas sûre. Faut passer un certain stade pour le multi. Ouais, c'est bien ça, Mick. Hein. C'est un certain stade. Sauf que je sais pas si c'est ce stade ou pas. Bon, je vais bien voir. C'est hyper désagréable la manette qui vibre à chaque fois justement. Je sais pas, vous voyez, voilà, cet effet noir et blanc, c'est que la manette vibre en fait à chaque fois. Là-bas, un faisceau bleu lumineux. Oh putain, mon pote. C'est un peu plus tard le multi. Ah, merci. Je croyais vous avoir perdu. Je peux vous guérir. Mais je ne peux plus vous réanimer. Plus depuis que... Gardienne. La lumière a disparu. Tu vas voir, je vais fumer l'autre. Ils nous ont tout pris. La cité. Le voyageur. La Légion Rouge exécute les gardiens sans défense. Nous devons partir d'ici. Je reçois un message d'urgence. Ce sont les coordonnées d'un point de rendez-vous. Ils évacuent la planète. Vraiment beau graphiquement, là. Nous devons nous y rendre. Je suis épaté. On va avoir une petite cinématique. Oui, c'est ça, c'est une sorte de tutoriel, oui, oui. Ah, 4 jours après l'attaque. Toujours pas de munitions dans le pistolet. C'est joli. Ah, vous me connaissez, vous savez que j'adore profiter des paysages. Hein. Quand c'est comme ça, j'adore. Ces gardiens. Ils n'avaient aucune chance sans leur pouvoir. Nous aurions pu être à leur place. Gardienne, si vous mourrez, je ne pourrai pas vous réanimer. Oh non. Nous devons être très prudents. Merde. Eh ben dis donc, t'as vu comment ils sont faits? C'est marrant. Au début j'ai hésité à acheter le jeu et je crois que je vais l'acheter. Mais écoute, il est vachement bien. Bonne nuit Gribouille, repose-toi bien et encore merci.
En tout cas, j'irai voir tes autres vidéos, c'est vraiment pas mal. Bah écoute, je te remercie infiniment. Fais de beaux rêves, repose-toi bien, puis du coup, à la prochaine. Alors, suivez votre vision, suivez le faucon dans les montagnes. Ok, là-haut. Ah, la petite photo, la petite musique, pardon, c'est vachement joli. Bubu est pas revenu, non, toujours pas. Ça va être 12 jours plus tard. Ah non, une semaine après. Oh, les paysages. Encore ce faucon. On dirait qu'il nous suit. À moins que ce soit nous qui le suivions. Je l'ai même pas vu. Oh, cette petite musique. Je ne suis jamais partie. Tout le monde se dit... Oh, putain. C'est beau, hein. C'est magnifique. C'est beau, les amis. J'en chialerai. C'est magnifique. Je sais, je peux pas vous. Enfin, j'ai pas fait le 1 en entier, donc je peux pas dire si c'était aussi beau que ça graphiquement. Qui a fait le 1? Oh là là, mais tu passes de paysage en paysage. Ah, je profite là, je vous le dis, je profite. Hein. Tu passes d'un endroit hyper hivernal à ça. C'est ouf. C'est magnifique. Putain! C'est quoi cette merde? Ah là! Concentre-toi, concentre-toi, mec! Avec la musique et tout, c'est incroyable. On est 72 ce soir, bah ça fait plaisir. Merci les copains. Merci à tous ceux qui sont là ce soir, ça fait vraiment plaisir. C'est là, c'est beau. C'était moins beau que celui-là qui est graphiquement meilleur. Ah ouais? C'est magnifique. Paysage et tout. Là je profite, là je vous le dis, je profite. Vous savez à quel point j'adore justement les... des paysages comme celui-ci, alors... Putain, mais tu passes vraiment d'un paysage à l'autre, quoi. On va refaire un autre, voilà. Et là, maintenant... Putain. Tu peux même passer par là? On va essayer. Yeah. Putain, comment ils ont passé... Ah, je me disais bien. Je me disais bien. Ah non, c'était fait exprès. Autant pour moi. Oh, regardez. Quelqu'un a laissé traîner une gardienne en parfait état. La situation doit être pire que ce que je pensais.
Ça, c'est mauvais signe. C'est le moment d'y aller. Oh, mais attendez. Où allez-vous? Aussi loin d'ici que possible. Ce Faucon, il est à vous? Je m'appelle Osorn. Lui, c'est Louis. Louis. Notre meilleur pilote. Et bonne tête, Louis. Vous êtes en état de voler? Vous aurez sûrement besoin de ça aussi. Il est temps de vous rendre utile, gardienne. Très bien, allumez les moteurs. Un long voyage nous attend. J'aime beaucoup le début là, excellent. Oula, que se passe-t-il? Fin du jeu, tu sais. As-tu vu tout ce que j'ai accompli, voyageur? Bon appétit, Maria. Ta lumière. Prends place au cœur de mon empire. Parle-moi, et tes vrais gardiens seront les troupes de ma Légion Rouge. Dominus, la cité est sécurisée. Nous pourchassons ceux qui ont fui. Et les pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne, mon vieil ami. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Il l'appelle le Voyageur. Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Et ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Cole. Toi et moi avons passé nos vies à essayer de refondre notre société, reforger notre peuple, reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Kallus. Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. La Légion Rouge lui prendra sa puissance. Tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus? J'aimerais m'entretenir avec mon invité. Ça ne rigole pas, les copains. On est venu à un stade là où je pense que plus personne ne rigole. Kiki, tu connais la tombe, un village dans le cinéma? Non, je ne connais pas. Il y a 150 habitants. Il n'y a même pas 150 habitants. Non, je connais pas du tout. En tout cas, le nom, il est hyper creepy. Hein. Tu vas là-bas, t'es pas bien. Fireboy, merci beaucoup pour ton follow, en fait. J'ai pas pu parler parce que c'était pendant la cinématique, merci. Nous approchons de la zone morte européenne. Ça va être notre nouveau foyer pendant un moment. Regardez. Vous reconnaissez? C'est là-bas que nous sommes censés aller. Ce truc, il l'appelle le fragment du voyageur. Moi, j'appelle ça un lieu où j'éviterai de mettre les pieds. Oui, je me suis douté, GBSCH, que tu habitais là-bas justement quand tu m'as dit ça. Mais non, je ne connais pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais non. Je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer.
C'est 23h08, c'est vrai qu'on a commencé le live un petit peu en retard avec cette histoire de fond vert. C'était bien dommage. J'ai hâte de pouvoir m'acheter ces lumières, j'ai tellement hâte. Ah, le domaine. Donc est-ce que là les amis je peux jouer en ligne? Enfin avec des copains. J'ai le droit ou pas? On est en sous-effectif. Pas possible de changer les routes. Vérification. Je vérifie tout de suite. Alors attendez. Oui, oui tu peux, mais je crois que si toi tu mets des liens, ça va pas passer. Rakiri, en attendant, je vais te mettre modérateur, donc je compte sur toi pour faire un bon travail. D'accord? Comme ça, tu pourras mettre des liens si tu veux. Mais que les liens, tu sais, des chaînes YouTube ou ce genre de choses. Tu me mets pas de bêtises, je te fais confiance. Quel est votre nom? Encore une mission. Ah ouais? Bon, ok. C'est chouette. Avec ma petite cape comme ça, de chez Emmaüs. Nickel. Si ça c'est pas le top du top. Ouais. Wouhou. Pas mal. Ok, ça marche, Rakiri. Bonjour madame la vieille. Je suis contente de voir que vous avez... Je m'appelle Tira. Tira Karn. Je m'appelle Tira. Tira Karn. Désolée. On s'est déjà rencontrés. Je suis perturbée. Depuis que j'ai perdu contact avec la lumière. Si j'ai bien tout compris, vous cherchez le fragment du voyageur. Moi aussi, j'en ai rêvé. J'ai vu un morceau brisé et dentelé, telle une blessure qui ne guérit jamais. Mais je me méfie de son attrait. Comme nous, le fragment a perdu la lumière. Depuis que le voyageur s'en est défait pendant la chute. Voilà des siècles qu'il altère et pervertit tout ce qui l'entoure. La mort règne là où il se trouve. Si vous êtes décidé à y aller, n'oubliez pas que nous autres gardiens ne sommes plus immortels. Nickel. La guerre rouge, Tira s'est échappée de la cité et a également trouvé refuge dans ce camp. J'ai envie de bailler. Excusez-moi. C'est la fatigue. Elle aussi a perdu sa connexion avec la lumière. Ayant entendu parler de votre vision du fragment, elle vous met en garde au sujet de la dangereuse forêt obscure environnante et de votre mortalité retrouvée. Prenez ce cadeau de Tira et allez parler à la personne qui dirige ce camp, malgré elle, Suraya Hawthorn. Hawthorn, je sais pas comment on le prononce. C'est pris pour le moment. Donc là, c'est bon, je l'ai pris. On va regarder. Oh. Je suis contente. Pourquoi tu marques que c'est une femme? J'ai pas compris. Je m'appelle Tira. Tira Karn. Ah non, elle va pas nous refaire sa vie, on s'en fout. Ah, le menu du personnage, moi c'est ça qui m'intéresse. Normalement. Yeah! Bon, j'ai rien d'autre. Bon. Bon bah très bien, je vais faire le tour. Je vais pas remonter comme ça. Ça devrait être interdit, ça, madame. On devrait pouvoir avoir le droit. Oh! C'est cool, ça. Il y aura un moyen de monter, quand même. Ok, c'est depuis l'intérieur. Juste par ici. Bonjour, madame. Vous allez bien? Il y a... Oh. Beaucoup de monde par ici. Pour moi, en tout cas. Vu que alors, j'ai vécu la moitié de ma vie en dehors de la cité. Donc, j'ai entendu dire que vous vouliez fouiller ce gros éclat de voyageurs. Vous, les gardiennes, vous avez une drôle de façon de vous amuser. Oui, et moi, on comprend bien ce que c'est que de suivre son instinct. Merci, Owengus, pour ton follow. Merci beaucoup. J'ai plein de choses à faire ici. Prenez le vaisseau avec lequel vous êtes arrivé. Ça, c'est tout ce que je veux avoir après. Je reviendrai plus vite. Vous voyez tous ces réfugiés? À bientôt. La carte céleste. Ouvrir la carte céleste. Gardienne. Oh, gardienne.
pas à vol, j'ai la phobie, Dites-moi tout. Je sais, ce petit avant-poste c'est ne tiendra ça, pas la mission étincelle. Mais aussi longtemps qu'il restera debout, ce sera on la lance. Et ce n'est pas rien. Lancement. Rocket, bah écoute, sur Xbox, bah écoute, tout dépend du jeu, quoi. Si on a un jeu en commun et que je fais un jeu pendant un live et que tu peux participer, oui. Ça me fait toujours penser à Warframe, ça. Il y aura une rediff de ton live, oui bien sûr. Il y aura une rediffusion du live. Ne t'inquiète pas, ne panique pas. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Bubu, si t'es là. Et la raison pour laquelle on l'appelle zone morte. Après, tu veux venir ou pas du coup? C'est un signe. Oui. Tu réponds par oui ou par non. Si tu es là, mais mute. Je sais pas s'il. Il en jette le vaisseau, elle est pas mal, il est pas mal. C'est vrai qu'il envoie du pâté. Réapparition limitée, oh non. Ok. En tout cas, c'est assez chouette. Hein. Vous savez, j'ai été partout dans la ZME. C'est plutôt charmant. Je veux dire, il n'y a rien de plus accueillant qu'une forêt sombre et hantée. C'est normal qu'il apparaît pas sur Steam Skidrox, parce qu'en fait il sera sur Battle.net le jeu, tout simplement. Le truc avec les règles de la cité, c'est qu'elles ne s'appliquent plus une fois que vous l'avez quitté. Il y a un passage dans le mur. Il est difficile à voir, pourtant il est là. Personne ne s'aventure au-delà, du moins pas ceux qui veulent revenir. L'autre vient de dire il y a un passage dans le mur. On doit parler de ça. Ah, comment c'est vachement délabré et tout, truc de malade. T'as quoi comme jeu sur Xbox? Bah écoute, j'ai pas grand chose puisque principalement ma console principale, comme je dis tout le temps, c'est mon PC en fait. Voilà, sur Xbox, j'ai Fortnite! Oh, je me suis rétamé. Putain. Attendez, on remonte. Problème. Il s'est endormi, c'est de son âge. Ça se trouve, il s'est endormi, ouais, je sais pas. Et hop là! Nickel. On est bon. Oui, j'ai Fortnite comme jeu. Sur la One, puis je crois que j'en ai d'autres, mais il faudrait que je regarde en fait, parce que du coup, je joue très peu à la One. Wow! Vous aurez atteint l'autre côté. Au centre. Au centre. Est-ce que vous nous recevez? Le signal est HS. Merde. Ça fait peur là, si y a un Wendigo, moi je panique. Je lâche la manette direct, je vous le dis. Je le sens mal. Je le savais. Vas-y viens Michel.
choses étaient des déchus, des charognards d'un autre monde. Ils vouent un culte aux machines. Saloperie. Saloperie de charognard. Rainbow Six Siege, non, je l'ai pas. Merci Seb pour ton follow, merci beaucoup. Non, je ne l'ai pas, le petit Rainbow Six. Dans la benne. Allez hop, bonne nuit les amis. On va se coucher maintenant. Hein. Merci Teibo pour ton follow. Merci beaucoup. Hein. On avance un petit peu. Secteur de quarantaine 236. C'est joli. Hein. Attends, moi qui adore les particules. Les. Wow. Alors c'est très très beau mais je pense que... C'est magnifique. Nouvelle arme cinétique appuyée pour ouvrir votre menu de personnage et pour l'équiper. Oh merde. Attendez, je me suis gouré de touche ou quoi? Oui, je m'étais gouré de touche. Mon arme. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli. Un peu vos messages. Merci Bad Bull pour ton follow. Merci à Talaric aussi pour le follow. Merci beaucoup. Alors je suis en train de lire. Merci Rakiri pour les messages que tu mets. Du coup ça fait plaisir. Merci. Ah. Ouais c'est vrai qu'il y a le Z-Event. Ouais c'est vrai. Ah, faut que je regarde ça par la suite. Je crois que je regarderai leur diff. Le fragment du voyageur. Alors. Nous y sommes. C'est exactement comme dans notre vision. Oui, je fais y tomber. Ah mais de toute façon, il faut descendre. Vous avez vu comment c'est beau? C'est un truc de malade. Là, on pourrait faire une photo, les copains. Pas moyen de faire des photos dans ce jeu, là. Enfin, hormis... Ah bah non. Je me suis cru sur PlayStation, tu sais, avec Uncharted. Bravo, Kiki. Ok, donc c'est là-bas. C'est magnifique. Il y a que moi qui trouve ça magnifique. Arc, tu l'as sur PC. Je l'ai sur PC, Arc. J'ai arrêté ça. Qu'est-ce que c'est beau. Oh merde. J'aime pas trop cette arme. C'est du coup par coup, moi j'aime pas trop. En plus c'est des petits malins, dis-moi. Attention parce que vu que la réapparition elle se fait pas. Elle est limitée pour le coup. C'est pas le moment de jouer au coup. Attendez, je vise très mal. Et une petite tête. Voilà. Je crois que lui il reste que elle. Voilà. Oh, je l'avais pas vu. Fumier. M'emmerdes-tu là? Oh
Ok, on va par là-bas. Je lance une grenade, c'était complètement... Oh mais merde, j'ai un problème avec ça je crois. J'arrive pas à comprendre ce... lui est reparti encore, ah bon? Attends, on va regarder un truc. Je me suis encore trompé de touche, ça devient grave. Ah ouais. Je vais tester ça après. Je me gourre à chaque fois de touche. Est-ce que je l'ai bien équipé? Oui. Je pense que c'est par là le chemin. Tout à fait. Tout à fait Thierry, c'est par là le chemin. Ah merci. Alors attendez, ouais, j'ai fait n'importe quoi. J'ai failli crever pour une connerie là. J'ai lu le chat. Du coup, je veux dire merci Mika. Et j'ai failli crever. Oh putain. Alors, on peut voir ce que c'est cette arme là. Ça a pas l'air d'être ouf comme arme. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Ouf les mecs. J'aime pas du tout cette arme. On va switcher, on va passer sur ça. Je suis plus précise pour le coup avec ce type d'arme. Ok, genre il y a un chef en haut quoi.
ma vie remonte un peu là. Un petit peu la vie, on remonte un peu la vie, on ne panique pas. Ils sont combien les mecs? Ils sont deux? Cette arme, je n'aime pas cette arme. Je sais, je suis un petit peu concentré effectivement. J'essaie de lui mettre des bonnes petites têtes, vous voyez, pour que les PV descendent assez vite. Nous les avons fait fuir. Oui, moi aussi je pense, Tyrion, que c'est fini, ça y est. Emmenez-moi jusqu'au fragment. Ouh. Merci Mika, merci beaucoup. Merci Momo pour ton follow. Ouais, je sais, j'ai c'est pour ça que je me suis complètement con, c'est un fusil à pompe. Aussi proche de la lumière du voyageur. Oh, est-ce que vous ressentez ça? Oui, Rocket, t'inquiète, merci beaucoup. Ça ne s'arrête pas.
prier. Oh, ça c'est stylé ça. Et bim. Tiens. Tiens. Ouais. Ouais, trop stylé. Tiens, bim. Ah, du coup ça me recharge en fait. C'est hyper stylé ce qu'on a là. Comment c'est stylé. Oh, je m'amuse. Ah, je me disais, il me dit il est temps de briller. Je me disais, mais il est fou, je me fais éclater. Penses-tu? Non, pas avec ça. Non, j'en veux encore. Je veux que ça puisse recommencer. Tiens, bim. Dans les airs. Oh, le boss. Oups. Oups, Kiki. Tiens, et bim. Je vais en manger une. Et deux. Tiens. Bim. Encore. Plus de puissance. La meuf, elle pète un câble. Merci. Alors, gain de niveau, les gains de niveau vous confèrent des points d'amélioration, développeront de nouvelles compétences de classe, de l'équipement et des missions. Appuyez sur les touches pour ouvrir le menu de personnage, utilisez votre point d'amélioration. Donc, on va l'utiliser, les copains. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça fonctionne? Ah, c'est donc ça. Ok, ça marche. Exopolis, hello, bon bah je plante ma tente sur le stream, pas envie de farmer tout seul. Ça marche. Ah, sur mes cinématiques. Salut à tous ceux qui sont en train de rejoindre. C'est beau. Oui, je ne commençais qu'à les... Là, tu peux multi. Yeah! Mais Bubu ne répond pas. Qu'est-ce qu'il fout, Bubu? On va, attendez, je vais me connecter sur Skype. Voir si Bubu est là. On va lui envoyer un message. On va voir. Mince, il est déconnecté sur Skype. Je pense que Bubu va tomber dans les... Merde. Attendez. Il dort. Ben, je me demande s'il s'est pas endormi ou s'il n'y a pas eu un truc justement. Il est pas là. Ah, il est pas là, Riri. Mince. Mince, 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 mince. Ce n'est pas imprévu, ça. Bon, bah, avance un petit peu. Par contre, ces mots, j'ai l'impression que ça a craché. Quel délire? Quelqu'un m'explique le délire? Merci, Kalezou, pour ton follow. Ah, ça y est. Gardien, nouveau mode coopératif et JCG. Oh le monde! Bah là, ça en fait une descente de gens. Hein. Ces activités, y compris celles de la campagne, peuvent maintenant être réalisées en coopération. Invité au rejet d'autres gardiens à l'aide du répertoire. Parler au seigneur Chax. Pourquoi d'autres gardiens? Ok. Cool.
Là, il y en a des joueurs. Là, là c'est cool. Il y a du monde. Il y a pas mal de monde, là. Ça fait plaisir. Donc je pense... Il a dû avoir un empêchement. Il répond pas. Mais écoute, il était là tout à l'heure, Riri, justement. Et après, bah, plus de nouvelles. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu un empêchement ou un truc. Je ne peux pas du tout te dire. Obi-Wan Kenobi, bon, je vous laisse, à de plus. Bah écoute, repose-toi bien. Bonne soirée à toi. Ciao. Bon, bah on va regarder alors. On va regarder... L'épreuve a toujours besoin de combattants. Eh bien, regardez-vous. Vous avez retrouvé votre lumière. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais... Tant mieux. Parce que nous allons en avoir besoin. Il reste encore beaucoup de survivants au dehors. Et ils ont besoin de notre aide. Nous devons faire savoir que le domaine est un lieu sûr. Ça marche, Roquette. Dans la ZME, on va regarder, on va regarder. Installer un réseau de communication. Il s'appelle Dev... Bientôt. Connectez ces boucliers et voyons ce que ça donne. La Légion Rouge intensifie l'offensive. Nous devons faire ce qui nous rassemble, pas ce qui nous divise. Et voilà. Mais celle-là, elle est pas mal. Attendez. Attendez, je regarde quelques petits trucs. Vous êtes toujours là ? Bon. Kylian, j'ai raté quelque chose. Bah, t'as raté le live hein, quand même. Hein. Non, merci Platina, mais du coup, elles sont. T'avais pas follow Sangui ? Du coup, merci. Terre. Ouais, t'as masse truc. Campagne. Vous souhaitiez me parler ? Alors attendez. Est-ce qu'on peut inviter des gens ou pas ? Respire, Soraya. Respire. Les gens sont gentils. Ils vont pas te manger. Ouais, mais Roquette. Si... Ouais, bah sans spoil alors. Parce que voilà, comme je t'ai dit, moi je veux pas de spoil ou quoi durant le live. Le domaine. Donc ça, c'est bon. Que vous avez à dire. Et moi j'aimerais bien inviter des gens par contre. Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement par contre, je suis en train de me dire. Peut-être que si. On va voir, on va voir. Sans taper une interaction. Ta-da. Ça envoie du pâté quand même. Alors on va regarder. Je regarde si je peux inviter des gens ou pas. On va voir. Sinon, je vais arrêter le live là. Je vais le stop, les copains. Et on refera un live façon demain, de toute façon. Peut-être demain matin même, tiens. Peut-être demain matin. Pourquoi pas. On va voir. Oh ! Même si vous avez vos pouvoirs, ne prenez pas la grosse tête. La ZME est difficile, surtout aux alentours du village. N'oubliez pas, c'est encore plus dur pour les réfugiés de la cité. Si vous voulez les aider, trouvez des brinquets. Ça marche, Roquette, merci. Burroughs doit être chez une voisine, mais t'as bien raison, Mika, c'est bien possible. En train de bouffer des Doritos là-bas. Ça ne m'étonnerait pas. Ah oui, ou sinon il est chez... Grave, vous avez vu la vidéo Pizza Addict? Voilà, bah ça se trouve il est là-bas. Ça se trouve il est là-bas, effectivement. Voilà. Et là, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte d'inviter des gens? Ça serait bien. J'ai personne du coup là. Je veux inviter des gens.
comment est-ce que je peux faire pour... on va faire retourner en orbite, on va regarder. On va regarder ça ensemble. Touged, merci pour ton follow. Merci pour cette soirée. Ben merci beaucoup, Sangui. Merci à toi pour tes donations. Ça fait vraiment plaisir. Comme j'ai dit, je garde tout vraiment pour améliorer la qualité des streams. Et là, je pense que je vais avoir acheté pour m'acheter des nouveaux éclairages. Donc, je te remercie énormément. Et du coup, merci pour cette soirée. Ben écoute, c'était avec plaisir. Même si là, pour le coup, j'aurais pas live trop longtemps. J'attendais Bubu, en fait, à la base. C'était prévu que, en fait, je fasse tout le solo. Ben, toute seule, forcément, ça tombe sous le sens. Et après, par contre, que Bubu vienne. Sauf que le problème, c'est que là, il n'y a pas Bubu. Et on avait prévu de faire ça avec genre Bubu et Tunaka. Et si Tunaka était là, bien évidemment. Mais Bubu n'est pas là. Bonne nuit, Centaure. Repose-toi bien. Et ça me fait chier. Et bonne nuit, Sangui. Du coup, repose-toi bien. Ça me fait chier, là. Retourne en arrière, triangle. De quoi triangle? Tu t'es cru sur sur PS4, Octo? Non mais oui, de quoi? Parce que même là, inviter des amis, de toute façon... Mais je fais B. Vous me dites, vous gueulez, fais B. J'espère qu'il y aura une rediff comme d'habitude. Oui, bien évidemment, il y aura une rediffusion, t'inquiète pas. Et je fais la touche Y. Sauf que... Je mets tout le monde pour rejoindre l'escouade. C'est ça que je mets. On va mettre ça. On va voir. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je vous dis, d'habitude, je fous jamais les pattes sur Xbox. Donc du coup, je suis un petit peu perdu. Putain, il est là, Bubu, hein. Mais il pionce le Bubu. Ben non, ben parce que je t'ai dit, je joue pas sur Xbox, c'est pas ma console par défaut. Autant sur Steam, je le SMS, Kiki. Merci Riri, merci beaucoup mon Riri. On va voir, écoute, on va faire une petite pause, on va voir ce qu'ils disent. On va voir si on a des nouvelles, et si on n'a pas de nouvelles, du coup on s'arrêtera là. Pour ce petit live sur Destiny, du moins pour le solo, et on reprendra par la suite, ne vous inquiétez pas, pour le multi. Tu joues sur quelle plateforme, Kiki? Bah écoute, je joue sur toutes les plateformes, principalement j'ai la Nintendo Switch, je joue sur PC, mais PC c'est vraiment le plus important pour moi. Là par contre, on est Destiny 2, là c'est sur One actuellement, et je fais aussi des vidéos, enfin sur la PlayStation 4. Mais là du coup, oui effectivement, Destiny 2 est sur Xbox One. Alors pourquoi Xbox One? C'est tout simple, c'est parce que Bubu l'a, et du coup, voilà, j'avais envie de jouer avec lui. Dis-moi, quand t'es en jeu, mais je suis en jeu là. J'ai un petit peu vos messages. Ah, je pense que Bubu, il doit avoir un truc à faire, je pense. Je pense que Bubu... Et ton code Switch, ben ça je le donnerai plus tard. Oui, j'ai oublié de le donner l'autre coup. Je le donnerai plus tard, les copains. C'est stylé, n'empêche. Hein. La carte, elle est hyper belle. Hein. Le mouvement de caméra et tout. Oh, tout ce qu'il y a quand même, c'est pas mal. Hein. La forêt obscure, les tunnels, l'île immergée, pardon. Il y en a des trucs. En parlant de Switch, je te trouve pas ton code ami sur Splatoon. Oui, je sais, sur la Switch, il faudra que je vous donne mon code ami. J'oublie tout le temps de vous le donner, le code ami. D'ailleurs, les amis, il faut que je vous parle d'un truc en parlant de ça. Hormis le fait que je suis en train de jouer à Destiny sur PlayStation, n'importe quoi, Xbox One. Demain, je pense que pour Until Dawn, du coup, vous allez avoir une nouvelle qualité. Puisque Elgato, j'en avais parlé sur... Twitter, pardon, voilà. J'en avais parlé sur Twitter et du coup, Elgato a eu la gentillesse de m'envoyer l'HD60S. Et du coup, je vais vous montrer, c'est un boîtier de capture hein, externe. Comme j'ai là, de toute façon, c'est Elgato là que j'ai actuellement. C'est le tout premier Elgato, vous savez, Game Capture HD qui était sorti. Donc, ça, c'est le nouveau, je vais vous montrer. Donc, il va y avoir une nouvelle qualité sur les streams, ça va être assez cool. Voilà, il est là, le petit père.
pour le moment, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas mis tout de suite. C'est parce que je dois faire une vidéo dessus. Donc c'est voilà pourquoi je ne l'ai pas, je l'ai pas encore mis. Par contre, je devais l'avoir en boîtier de capture interne. Et par accident, enfin, ils se sont trompés dans la commande. En fait, ils m'ont envoyé le externe. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas me plaindre. J'ai déjà eu la chance que Elgato m'envoie un de leurs produits. C'est déjà extrêmement gentil de leur part. Et du coup, la qualité des streams va changer prochainement. Puisque elle va être améliorée du coup avec ce petit Elgato. Donc l'image normalement devrait être un peu plus nette et tout. Bien évidemment, j'ai pas la fibre. Donc je pourrais pas me permettre de le streamer en 60 fps, 1080p et tout. Mais quand j'aurai une super bonne qualité, là, croyez-moi que ça va envoyer du lourd. Tu n'as pour l'instant pas d'amis invités. Ben non, parce que je t'ai dit, ma console par défaut, c'est... Enfin, pour moi, la plateforme par défaut, c'est le PC en fait. Et pas le... Et du coup, pas les consoles. Voilà pourquoi. Alors, mon petit bébé.